Bonjour YouTube, on teste aujourd'hui sur Train Simulator la ligne de la Bresse qui vient de sortir. C'est une ligne gratuite qui est sortie sur RW Central et on teste un des scénarios qui est inclus avec la ligne. Bonjour conducteur, aujourd'hui vous êtes en charge du 816 732 plutôt entre Bourg-en-Bresse et Saint-Amour. Préparez vos trains et vous pourrez partir à l'ouverture du signal bien entendu. Donc on est aujourd'hui en 22 200 que j'ai acheté pour l'occasion, voilà. Il m'arrive rarement de conduire des locomotives françaises, donc je vais m'essayer. Ah, et des coucou YouTube sur le chat, oh, c'est beau. Donc, boîte à levier. Donc on est aujourd'hui dans un scénario d'infra, donc c'est un train d'infra, je pense que c'est du ballast qui transporte. Évidemment, j'ai oublié de préciser, mais le créateur de cette ligne est Max1116, qui est aujourd'hui sur le chat, voilà. Et je vous rappelle, la ligne est sortie le 3 octobre sur RW Central, voilà. Bon, alors vous me corrigez si je fais des bêtises, mais normalement je dois enclencher le disjoncteur, maintenir 2 secondes, voilà, voilà. Alors on va voir si je l'ai retenu, hein. Donc on va mettre le compresseur auto, le chauffage, tant qu'à faire l'éclairage du pupitre et les deux fanaux. Après ça, bon, on va paramétrer le KVB. Donc pour ça je vais devoir mettre mon clavier en français, clavier français pour voir, parce que j'ai un clavier suisse. Hein. Voilà, ah vous voyez pas sur YouTube, mais on a un petit message de SimExpress qui nous dit que la longueur de la rame est 153 mètres et la masse de 284 tonnes. Donc, la longueur de la rame, donc on va mettre ici à 2 et c'est un MA160, donc on va mettre MA100, pardon. MA100, donc c'est pour, en fait, c'est un train de marchandises qui est limité à 100 km/h. Voilà, voilà. Et on va valider les paramètres du KVB. Et bonsoir Benji, bienvenue sur le live. Alors pourquoi il n'est pas d'accord? Ah si, c'est bon, ok. Et on acquitte le LSSF. Voilà, bon bah écoutez, il ne reste plus qu'à mettre le frein sur normal et à attendre que le feu s'ouvre. Si, ce qu'on peut faire aussi, c'est peut-être desserrer le frein à main qui est dans l'autre cabine. Voilà. Ah, Edgar qui fait pouet pouet, ah c'est magnifique. Ah, et on entend le compresseur qui s'arrête. Oh, c'est... Et franchement, SimExpress, c'est du matériel payant, mais c'est du matériel d'une grande qualité. D'ailleurs, on voit ici des VU. VTU ou VU, je sais jamais la différence entre les deux. Enfin, des voitures Corail, TER, Bourgogne-Franche-Comté, voilà. C'est joli. Oh là là, non, et pas... Ça fait beaucoup. Ah, il faut vous mettre d'accord sur le chat. Ah, pendant qu'une 26 000 passe avec des wagons sérialiés. Ah, bon, elle passe derrière, on verra pas. Non, j'ai oublié le thé. C'est ce qu'ils disent tous. Est-ce que vous entendez bien le son du jeu? Je peux desserrer le frein direct, peut-être. Ouais, on a le frein auto. Bah... J'essaierai au démarrage, voilà, on a des trains. Donc on est ici en gare de Bourg-en-Bresse. Gare qui, franchement, plutôt jolie, hein, comme ça, ça rend vraiment bien. Je sais pas comment c'est IRL, mais en tout cas, il y a pas mal de quais, hein, ça a l'air d'être une gare plutôt fréquentée. Alors, on attend encore, sauf erreur, un train qui vient d'en face pour pouvoir partir, voilà. On a ici le service 3 qui, du coup, nous empêche d'avancer. Voilà, voilà. Écoute, Max, toi qui es sur le chat, si tu veux, n'hésite pas, si tu es d'accord, à nous dire quelques petites anecdotes sur la création de ta ligne. Ça fait combien de temps, tiens, qu'elle est en cours de... Enfin, qu'elle était en création, du coup, puisqu'elle est sortie aujourd'hui. Enfin, à l'heure où je fais le live, elle est sortie aujourd'hui. Ça t'a pris combien de temps de la faire? Donc, c'est une ligne d'une trentaine de kilomètres, je pense, à peu près. C'était chiant. Ah bah, au moins, c'est franc. Ah, du TGV. Tiens, on va faire des vues. Apparemment, le TGV, ça fait des vues.
Ça ressemble pas mal, mais il y a pas mal de monde par rapport à... Wow, c'est mieux trop que pas assez, hein, j'ai envie de dire. Bon, on est au vert, on peut y aller. Un an quand même. Ah ouais, d'accord, je pensais que c'était un peu plus court. Mais oui, non, c'est vrai que ça prend du temps, hein. Il faut déjà, je pense, se documenter, arriver à un petit peu appréhender la ligne, comment elle est IRL. Et, parce que je suis moi-même aussi créateur de ligne, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, mon micro est bizarre, c'est-à-dire il sature un peu, peut-être. C'est possible qu'il sature un peu, attendez, je vais régler ça. Voilà, bon, bah du coup, on peut tout à fait partir. Non, je vais mettre d'abord ici levier de traction. Et voilà. Merci Willy pour le follow et bienvenue sur le live. Salut, salut, comment vas-tu? Ouais! Allez, c'est parti! Premier frein d'urgence! Yes! Quand on est sur YouTube et qu'on fait des vues extérieures, il vaut mieux enlever la VA. Ça marche. Je crois qu'on est reparti. Bienvenue sur le live, Snake. Jeanne, au secours! Ok, ça va, ça part. Direct et bien desserré. Ok. YouTube, vous n'avez rien vu. Hein, vous... Non, d'ailleurs, vous n'avez rien vu. J'ai coupé au montage, bien sûr. Ah non, mais quand je me prends FU au démarrage comme ça, m'autorise à couper au montage quand même. Donc voilà, on est parti, hein. Alors c'est une ligne qui se prête assez peu aux passagers, même si on a un scénario de passagers, on a 5 scénarios inclus avec la ligne. Je sais pas pourquoi j'ai fait 3 avec mes mains, mais c'est 5. C'est surtout un corridor de fret, IRL. Et c'est pour ça qu'on a voilà, un train d'infra, un train de fret aussi, on a différents scénarios. Parce qu'il n'y a aucune gare intermédiaire en fait. Je pense qu'il devait y en avoir à l'époque, mais je crois qu'il y a deux villages qu'on traverse où on passe pas loin, mais soit il n'y a jamais eu de gare, soit elles ont été fermées. Je parle pas de Edgar, hein, qui est sur le chat, je parle bien de gare. Tu as masse de travail en ce moment? Aïe aïe aïe. Ah bah on se réjouit de voir ce que tu vas produire pendant cette masse de travail en tout cas. Hein. Il y avait deux gares avant, d'accord. C'est bien ce que j'ai vu sur les schémas qui étaient inclus dans le PDF. Je vous conseille aussi pour ceux qui téléchargent la ligne de lire le PDF parce qu'il recèle d'informations intéressantes. Bah, il y a le plan en long, il y a le plan de la ligne, voilà, vu du dessus, en quelque sorte. Pas mal de choses. Maintenant, je vais devoir freiner un peu, moi. Hop là. Ah bah c'est bon, on est à 90, c'est parfait. Alors, est-ce qu'on est bien 5 barres? Oui, tout va bien. On va faire comme les dernières fois, hein. Merci beaucoup, Chichiprot, pour ton abonnement, ton 4e mois, ton resub. Bienvenue à toi sur le live et bonsoir. Bon, bah du coup, je peux mettre la vitesse imposée, hein, n'est-ce pas? Alors, attendez. Pourquoi je peux pas... Ah oui, il faut que je baisse la traction. Bon, alors dans ces cas-là, on fera quand on arrivera à la vitesse limite. Ah, lire le PDF, c'est plus chic, hein, bien sûr. Moi, j'aime bien quand je conduis sur une île, m'imprégner un petit peu de l'ambiance. Voilà, savoir un petit peu où c'est que je conduis, quoi. Surtout que Bourg-en-Bresse, alors j'y suis passé une seule fois de ma vie, c'était en TGV. Entre un TGV Genève-Paris, donc qui passait à Bourg-en-Bresse, mais voilà, je ne me suis pas arrêté quoi. Tu peux mettre la VI IRL, c'est pas autorisé en fret. Ah, je savais pas ça. D'accord, merci Strike One pour l'info. Alors je vais essayer de respecter ça du coup, hein. Pour le coup, ça je savais pas du tout. Alors on va essayer de gérer un petit peu toutes ces rampes, hein, parce que la ligne, il y a quand même des rampes jusqu'à 12 pour 1000, je crois, voire 18 pour 1000, sur une petite section. Donc je dois vous dire qu'il y a un scénario qu'on fera pas aujourd'hui, mais un scénario en hiver, où on doit démarrer un petit peu en côte. Ouais, ça patine beaucoup, et c'est très compliqué à gérer. Et c'est un scénario de nuit, en plus, on a peu de visibilité.
Il y a beaucoup de challenges. Les scénarios, de manière générale, sont abordables, mais il y en a un surtout, le cinquième, qui est justement sous la neige, un petit peu plus difficile. Alors non, Max, je ne ferai pas de TGV aujourd'hui. Ah, j'aurais bien voulu, hein, mais il n'y a pas de scénario en TGV inclus, hein, c'est pas ma faute. C'est le créateur qui n'a pas inclus de scénario en TGV. Du 12 pour 1000 en général. Ah, et on arrive ici... Alors, il y a plusieurs easter eggs hein, sur la ligne. On arrive ici au Dever Marché. D'ailleurs, un petit peu contribué à ça avec ce magnifique panneau. mais il y a beaucoup d'autres easter eggs que je vous laisserai regarder, évidemment, si vous êtes un peu curieux. Le créateur de la map qui passe sa part. Et salut Yann, aka la chaîne du ferroviaire, bienvenue sur le live. Alors, si on parle un petit peu des add-ons requis pour cette ligne, tant que j'y suis, puisque ce sera diffusé sur YouTube, donc... Alors, pour ceux qui veulent se procurer la ligne, il y a avant tout la Constance Willingen, qui est très utilisée pour les textures au sol, pour la végétation, pour les voies aussi. Il y a aussi la LGV Marseille-Avignon, la Semmeringbahn, la Hambourg-Lübeck, et j'en oublie une, je crois qu'il y en a une autre encore qui est requise. Mais voilà, ce sont les principales. Après, il y a quelques assets gratuits requis, mais il y a un pack d'assets. N'oubliez pas de le télécharger si jamais il y a un lien sur la page de téléchargement pour un pack d'assets de 2 Go, mais c'est des assets gratuits qui sont très très utiles. Ah, magnifique, ce spotter! Ce spotter... Finalement, qui n'a pas peur de monter sur un signal hein, pour spot. Mais c'est un bon spot. Hein. Il y a un accident sur le parking du Dever Marché. Ça fait partie des petites scénettes. Plus loin, il y a HST caché. Ah oui, je crois qu'il y a une BR101 cachée aussi sur la map. Aïe, 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 aïe. Mais c'est bien, parce que c'est assez discret quand même comme easter egg. Il faut vraiment les chercher pour les trouver. Il faut appeler la Suge pour arrêter spotter. Aïe aïe aïe. Suge police ferroviaire. Hein. En vrai, je l'ai su il n'y a pas longtemps, ça, mais je suis suisse. Alors, Marseille, merci Max pour tous les DLC requis, du coup. Alors, voilà, celle que j'avais oubliée, c'était la Rhône-Alpes et Méditerranée. D'accord, donc il y a besoin de la ligne de base Marseille-Avignon plus l'extension LGV Rhône-Alpes et Méditerranée. Voilà, je peux freiner un petit peu. En vrai, je pourrais freiner au rhéostatique aussi. Mais je freine au direct, ce qui finalement revient un peu au même. Oui, mon PC aussi est un peu à la traîne, mais je pense que niveau performance, c'est du même niveau que toutes les autres maps d'Oftal Games, ou disons d'éditeurs un peu sérieux. C'est juste que bon bah moi, j'ai une GTX 750, donc au niveau de la carte graphique, c'est vraiment ça qui pêche. On traverse beaucoup de zones un petit peu rurales, hein. C'est clairement à la Bresse, donc beaucoup de champs, un peu de forêt, enfin voilà. Alors ouais, on est en MA100, Willy, du coup c'est 100 km/h hein, sur la map, même si on serait autorisé à 140, 130 sur certaines portions. Oui, la ville de Bourg-en-Bresse est assez gourmande en performance, effectivement. Chez moi, j'ai un peu de peine. Là, par contre, maintenant qu'on s'en éloigne, ça va mieux. Là, je suis à entre 25 et 30 images secondes. Ça n'a que 15. Ah ouais, alors c'est encore pire que moi. Non, moi, ça va. Je pourrais pas faire du 60 images secondes, mais non, 30, ça va. Ah, une caravane. Pas mal de détails, hein. Ah, quelques petits lags. Tiens, il suffit que je dise que c'est fluide chez moi. Alors Max, la signalisation, c'est Terlor, la signalisation lumineuse, ou c'est DTG? Parce que du coup, comme tu as changé pas mal de fois d'avis... Feel the detail, exactement. Ah, magnifique petite... 66 000 qui passe. 26 000, qu'est-ce que j'ai dit? 66? Non, 26 000. C'est Terlor, d'accord.
Ouais, en vrai, c'est vrai qu'elle est plus complète. Bonjour, Gaël, bienvenue sur le live. Oh, ça tremble un peu. Ah, mais on a du dé vert, là, c'est beau le dé vert. Est-ce que vous savez que j'aime le dé vert? Avec ces magnifiques 22-200, hein. Ça, je pense, ça fait partie de la map que je préfère, où on a ce petit château, là, cette petite église. Hé, merci pour ton sub, Max. Ah, ça me fait très plaisir, alors. Ah non, c'est un utilisateur anonyme. Ah, eh ben, ça me fait plaisir aussi. Merci à ce donateur anonyme, du coup. Moi, j'ai la densité au maximum, par contre, hein. Mais je dois dire que les herbes de Vulcan Productions, puis je crois qu'il y a un peu d'herbe de VR aussi, ça rend vraiment bien. Je pense que certains créateurs devraient s'en inspirer, surtout les créateurs payants, qui bizarrement sont ceux qui rechignent le plus à utiliser beaucoup d'herbes comme ça au bord des voies, même dans les champs, hein, parce que ça diminue pas vraiment les performances, et pourtant, je trouve que ça rajoute vraiment une patte graphique assez sympa. Ça fait un peu plus soigné. Un peu moins vide. Parfois TS est sympa à regarder sans rouler sur les maps. Effectivement, c'est vrai qu'il y a des maps comme ça où être à 100 km/h, bah, je vois déjà pas le temps passer, hein. On pourrait être à 140, mais là déjà, je trouve qu'on roule bien, on voit beaucoup de paysages. C'est très appréciable. En asset block, ça bouffe rien, effectivement. Les assets blocs d'herbe 2D, c'est très peu consommateur en ressources. Par contre, alors, j'ai remplacé les arbres 3D de Vulcan Productions, qui sont utilisés normalement sur la ligne, par les arbres 2D de Virtual Railroads. Enfin, 2D, en fait, c'est 2,5D. Vous voyez, il y a quand même deux faces, enfin deux, ouais. Dire deux faces, enfin, c'est voilà, ça fait l'illusion de la 3D, mais ça bouffe beaucoup moins de performance. Si jamais vous pouvez trouver ce patch sur RW Central, c'est un patch que j'ai fait il y a quelques mois maintenant, un ou deux mois, et ça me m'économise, on va dire, 10 FPS, hein, largement 10. Petit transformateur, je sais pas trop ce que c'est, électrique. Oh, j'ai une pénalité de retard, tiens. Je vais arriver à 58. Oh ouais, 2 minutes de retard. Ah ouais, d'accord, je vois. Ça, c'est parce que j'ai pas activé la VI, hein. Non, bah, je fais RP. Voici, est-ce que c'est la deuxième fois que je conduis cette locomotive de ma vie, hein. La 22-200, puisque je l'ai achetée aujourd'hui même. Donc voilà, j'ai pas encore appréhendé. Tout à fait la conduite. En vrai, quand tout à l'heure on devra freiner un peu plus, j'essaierai de freiner au rhéostatique un petit peu. Ah, même pas d'éloigne, non, la 22-200, c'est vrai que c'est du matériel de qualité, mais je roule très peu sur des lignes. Enfin, si, je roule sur des lignes françaises, mais rarement avec les matériels de traîneau, je l'avoue. Bah déjà, ça m'a un petit peu. La ligne de la Bresse m'a franchement poussé à me remettre à la conduite de locomotive française, parce que bah, c'est le matériel de Sim Express est très bien, mais j'avais pas envie de faire la mise en route rapide. Je sais qu'avec CTRL Z, on peut enclencher la machine toute seule, mais j'avais envie de comprendre un peu comment ça fonctionnait. Parce que quand on fait CTRL-Z, par défaut, il met le panto 25 000 volts. Et comme ici, on est en caténaire 1500 volts, et ben pour changer de panto, je ne savais pas comment il fallait faire. Du coup, je me suis dit, bon, bah autant apprendre toute la procédure de mise en route depuis le départ. Donc c'est comme ça que voilà, j'ai appris en un après-midi à conduire la 26 000 et la 22-200. Oh, le compresseur! Ah oui, il a fait un joli bruit là tout à l'heure. Ah mince, Willy, t'as chopé le Covid. Eh ben, j'espère que tout se passera bien pour toi. Ouais,
C'est clair que c'est pas drôle. Hein, ce... Même si en vrai, il semble que la maladie s'affaiblisse hein, quand même, mais c'est vrai que... Bah, voilà, tu dois rester chez toi pendant 10-15 jours et puis à rien faire et avoir une fièvre. Bon courage à toi. Hein. Je vais essayer de pas arriver en retard à Saint-Amour. On a une réduction à 120 ici, mais du coup, ça ne me concerne pas. Merci Flyobino pour le follow, bienvenue sur le live. Et bonjour à toi. On a la météo d'Armstrong Powerhouse sur cette ligne. Alors, j'ai eu un petit peu... Disons, ce que j'ai pas compris, c'est que la météo d'Armstrong Powerhouse est normalement mise par défaut sur les scénarios, mais moi j'ai dû la mettre manuellement. Pourtant j'ai le pack, mais j'ai dû modifier le scénario et activer la météo. Bon, ça change pas grand chose, hein, ça prend pas beaucoup de temps à faire, mais voilà, juste que si jamais vous avez pas cette météo là sur le même scénario que moi, et eh ben c'est normal, c'est un bug visiblement. Ça le fait que chez moi, bah, c'est étonnant parce que pourtant j'ai le pack depuis un moment. Alors je ne l'ai pas réinstallé depuis longtemps, c'est vrai. Mais je sais pas. Ouais, peut-être que c'est ça, effectivement. Peut-être qu'il n'est pas à jour. Ah, on a quelques salissures sur la vitre d'ailleurs, je viens de m'en apercevoir. Sympa. C'est marrant, ici on a une toute autre sensation de vitesse. C'est marqué quoi ici? En cas de défaillance du mécanicien, ouvrir le robinet, baisser les pantographes, serrer à fond le frein à main. Bien sûr que j'ai vu l'easter egg, Gaël. Malheureusement, les passages à niveau ne sont pas numérotés, donc il faut vraiment savoir que c'est là. Ah, oh, mais c'est beau, hein. Il y a une... Une quinzaine d'easter eggs sur la ligne, sauf erreur. Je les ai pas tous découverts, loin de là. Hein. Ils sont listés dans le manuel et il y en a d'autres qui ne sont pas listés, mais je les ai pas tous vus. Hein. Et Max, du coup, d'où est venue l'idée de faire cette ligne-là de Bourg-en-Bresse à Saint-Amour et peut-être plus loin? Pourquoi cette ligne-là et pas une autre, en fait? Oui, oui, je sais, mais Max me l'a dit sur le Discord. Il était assez simple à faire. Ah ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire, ouais. Après, les tunnels, bon, c'est pas si compliqué à faire, parce que d'autant plus que l'avantage des tunnels, c'est que t'as pas de décor au-dessus. Mais c'est vrai, il faut quand même les faire. 500 volts, c'est une bonne map pour le... D'accord, d'accord. C'est vrai qu'on a peu de fret sur Train Simulator. Hein. Je pense que la plupart des scénarios sont en passagers. D'ailleurs, petite précision, ces scénarios sont des scénarios de carrière, donc il faut aller chercher dans carrière et pas dans scénario standard. Juste pour ceux qui téléchargent la ligne, voilà. Ce sera top pour les 7200 et les 6500. Ah ouais, effectivement. SimExpress, allez voir simexpress.fr hein, qui prépare des choses assez intéressantes en locomotive française qui sortent autour du 15 octobre d'après ce qu'on a entendu, donc les 7200. Les nez cassés. Donc je pense qu'il est parti sur la base des 22200, même si évidemment je pense que la cabine est différente, etc. Et... matériel de qualité. Oh, excusez-moi, j'ai tapé le micro. Alors oui, le prochain matériel de SimExpress sort autour du 15 octobre, il l'a annoncé aujourd'hui. On avait une grosse rampe en forêt là. Oh là, attendez, d'ailleurs j'ai un peu trop surtractionné. On va voir un ralentissement à 30.
On va mettre un petit peu là. Non, moi, c'est pas ça. Je me trompe, hein. Le problème des matériels français, c'est que pour les conduire, c'est tout à fait des autres contrôles, puisque j'ai un clavier suisse. Donc c'est assez déroutant. Bon, je peux un petit peu desserrer là. J'ai freiné un peu fort. Hop. Ah. Je savais même pas qu'il y avait une 7200 sur Raysim. 15 000, ouais, ça je vois. Un clavier Quartz. Variante du clavier QWERTY, effectivement. Je peux pas au-dessus de 4 barres et demi. Ouais, j'ai vu, il faut mettre minimum 0,5 barres de freinage. Effectivement. J'aurais dû, du coup, passer... commencer au rhéostatique. Je vais essayer de faire ça, comme ça. Voilà, c'est un peu plus précis. Parce qu'on est en descente en plus, donc voilà. Et on voit ici le village de Saint-Amour, voire la ville, hein. Je pense que c'est Saint-Amour, là-bas. Les contreforts des... Alpes ou Jura? Je sais pas. Je sais pas si c'est les Alpes ou si c'est le Jura dans ce coin-là. Très très joli. J'ai prévu quoi? J'ai prévu un deuxième scénario sur Bourg-en-Bresse-Saint-Amour, du passager. Et après, on verra. Après, je sais pas. Jura ici, d'accord. Je peux freiner un peu plus là. Voilà, comme ça au signal, on sera à 30. Parfait. Et donc on avait avertissement fermé, hein, pour la suite. Je dois m'arrêter ici, c'est normal. Voilà. Et puis on peut peut-être un petit peu desserrer. Ouais, effectivement, la vallée, c'est quoi, c'est quelle rivière qui passe là, la Valserine, passe pas loin d'ici, qui délimite les Alpes et le Jura. Oh, c'est risqué ce que je fais là. je suis à 0,07, je suis pas en excès de vitesse, mais presque. D'accord, pas de souci, Yann. Ouais, j'ai vu qu'il faisait aussi un live ce soir. Enfin, j'ai vu, c'est Max qui m'a dit, en fait. Ah bah, la ligne est sortie aujourd'hui, donc c'est clair que ça va rameuter du monde. Oh mince, je voulais pas... Oh. La vallée de Dana. Ouais, je sais, c'était marqué 31, mais le compteur, il arrondit au chiffre supérieur quand c'est au-dessus de 0,5. Genre là, 26,05, voilà. Vous avez vu, il était à 27, il vient de passer à 26. Mais j'avoue, c'est pas RP, bon. Non, mais je voulais juste éviter d'avoir du retard. On a eu du retard tout à l'heure. Bon, là, je pense que je peux commencer à freiner un peu. Et donc, voici la gare de Saint-Amour. Évidemment, comme on est en fret, hein, on passe à l'évitement. Un fret pour l'infra. Hein. Ah, et on se fait dépasser. On se fait dépasser par une 26 000. Ah, c'est sympa, ça aussi. Et voilà, arrêt tout en douceur. Tu sais s'il y a une fabrique de chips dans la région pour Mr. Chips? Non, pas du tout, désolé. Bon, bah merci YouTube, hein, pour avoir regardé cette vidéo. Et puis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller télécharger la ligne. Le lien se trouve en description, bien entendu. Et le lien du matériel roulant aussi, je pense, de la 22200. Et sur ce, bah, ciao tout le monde, ciao YouTube, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.